Moi, je suis d'abord un fanat de la presse écrite. J'aime bien le contact avec les journaux, qu'ils soient les journaux quotidiens ou les magazines. Donc, je suis un grand consommateur de magazines. Peut-être ça correspond, ou les journaux quotidiens, ça correspond aussi à une façon dont j'ai appréhendé l'accès à l'information dans ma jeunesse, et ça a continué. Je me rappelle d'ailleurs quand mon père rentrait, quand j'étais gamin, mon père rentrait à midi, à l'époque on déjeunait à la maison, et il ramenait le journal. Le journal précipitait dessus, même à 7-8 ans, pour lire le sport, pour lire d'autres choses. Et l'écoute de la radio était aussi pour nous une source d'information très forte, la télévision était balbutiante. Bon, ça c'est un autre temps, on a l'air de parler d'une période préhistorique. Et je garde cette appétence pour les journaux, pour les autres sources d'information, la radio le matin, c'est indispensable, la télévision le soir, en ayant parfois un regard un peu distancé, parce que la télévision est très chronophage, elle ne permet pas de faire autre chose, et puis bien sûr le net, donc moi j'ai effectivement un blog, je tweete pas beaucoup, parce que le tweet c'est aussi avoir d'autres réflexes. Alors je voyais que les hommes politiques tweetaient beaucoup, les femmes politiques, Ségolène Royal, d'avoir cette... Moi, j'ai pas ce réflexe de l'instantané encore aussi fort, mais pourquoi pas.